passé avec les enfants, ça s'est très bien passé, ils ont été bien accueillis, ils se sont bien installés. Ensuite, tout s'est bien passé puisqu'ils sont sages et c'est aussi des enfants très brillants. Déjà, c'est l'accueil des participants, des autres participants venus des autres communes du Bénin, puisque c'est Parakou qui est déjà là. Ensuite, il va y avoir une séance d'orientation pour expliquer aux jeunes quels sont les tenants et aboutissants de cette rencontre. Ensuite, il est prévu une pré-évaluation. Ça permettrait d'avoir de savoir quel est l'état de connaissance sur l'estime. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet à partir de demain. Soyez les bienvenus. Chez nous, nous parlons de la seconde D. Et nous avons trois matières spécifiques. La maths, l'ingénierie et la physique. De même que nous. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que notre séjour à Cotonou sera inoubliable. J'aime bien Netflix. Je vais t'en faire. À propos, bon, je reprends au nom de Torso au final. Je viens du lycée Mathieu Bouquet de Grand. Merci. Je peux aussi demander votre nom. Moi, c'est Claire Aiko. Wow, je viens de Saint-Aubin. Et toi? Au quartier à l'heure. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement de ce qui est dans la chambre, comme on me l'a aussi montré à mon arrivée hier. Commençons par la télévision. Le dîner, c'est à 19h. Donc, on s'est dit, si vous devez manger lourd, ce n'est pas bon. Donc, vous allez juste prendre quelque chose. C'est la même chose aussi. C'est la même chose partout. Donc, tu peux prendre. C'est la même chose, vous pouvez prendre. Je m'appelle Gordon Ophelia. On m'a demandé
ce que je voulais devenir et le métier que je voudrais exercer. On m'a demandé dans quel domaine j'aimerais investir une fois que je serai grande. On m'a demandé si je voudrais investir dans l'agriculture. Le monsieur m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai dit que moi, je voulais être programmeur, génie logiciel et informatique. Et il m'a encore demandé si les acariens avaient 4 pattes, 8 pattes ou bien 6 pattes. On m'a posé aussi des questions comme qu'est-ce qui pourrait pousser un élève à abandonner l'école? Et qu'est-ce qui va me pousser, moi, à travailler, à me développer dans les domaines scientifiques? Et il m'a montré le nom de tous les participants et il a mis les numéros sur toutes les personnes. Moi, il avait mis mon nom à Douglou Bienheureux, j'étais au numéro 17. Il a dit de garder ça. On appelle ça une préévaluation et ça permet de faire un état des lieux. Avant que les participants ne commencent la formation. Et alors, je peux dire après cette séance, le camp a sa raison d'être. Parce que beaucoup ne maîtrisent pas tout ce qui est technologie. Et ça, c'est le point crucial qu'on a dans ce camp. Et je me dis, bon, déjà à partir de lundi, ils vont beaucoup apprendre de ces séances qui viendront. Un pourcentage plutôt élevé des enfants qui maîtrisent tout ce qui concerne les STEAM. Les STEAM, c'est le Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Ça, c'est direct. Mais après ça, quand ils iront dans leurs écoles, comment ils vont appliquer tout ce qu'ils ont appris? Ça, c'est les outcomes. Donc, projet Yaïla, YSO et BIA. Et grâce à ça, les filles du Bénin ou africaines, les femmes, peuvent bénéficier d'apprentissage comme la technologie, les sciences, l'ingénierie et l'agriculture. Dans ce domaine-là, les femmes ne sont pas trop fortes. Et puis, il y a le professeur de mathématiques aussi. Donc déjà, vous voyez, il y a le talent qui est là. Ça veut dire qu'elle travaille bien dans les maths ou bien. Donc à la fin, on va redemander à Kerry, est-ce que tu veux toujours être professeur de mathématiques? Si Kerry dit oui, on va voir que c'est son destin. Mais dans le cas contraire, on va voir que la formation a eu un impact positif sur elle. Elle a déjà les compétences, les talents, elle travaille bien dans les sciences. Maintenant, elle va voir les autres débouchés. À part les mathématiques, il y a d'autres débouchés. Elle va voir maintenant ces débouchés. Elle voit qu'elle peut mieux s'orienter, mieux travailler à l'école pour pouvoir avoir ces débouchés, pour être formée davantage et prospérer. Il faudra vraiment multiplier ces genres de camps. Parce que amener les élèves à s'accrocher à tout ce qui est TIC, c'est ça le point focal de tout ce qu'on aura à faire. Et on en aura vraiment besoin pour nos apprenants. Oui. Vous permettre de réseauter, c'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous êtes venus de 6 établissements secondaires, vous ne vous connaissiez pas. Donc on veut, à la fin de ce camp, que vous puissiez vous connaître. Donc, c'est pas seulement, ok, moi je viens de Père Planck ou bien je viens de Saint-Augustin ou je viens de du lycée Béanzin. Là, je veux juste rester avec mes amis qui sont du même collège que moi. Non! Le lycée Béanzin, je m'engage à être exemplaire et à avoir un esprit pour bien vivre cette expérience. Très bien, merci, mais vous êtes bien, vous êtes très bien. Merci pour cet engagement que vous venez de prendre. On vient de faire la session d'orientation. Cette session consiste à donner plus d'ample éclaircissement sur le projet, sur le programme du camp et sur toutes les activités qui seront menées tout au long de ces 4 jours.